Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode sur Fallout 4 pour parler d'un petit lieu sympathique qui va nous permettre de récupérer quelques munitions ainsi que quelques capsules et des ressources diverses. Ça se trouve à côté de Diamond City. C'est un lieu qui est accessible à tout le monde. À tout le monde, par contre, c'est vrai que, comment dire, si vous êtes quelqu'un qui ne visite pas les lieux ou qui ne regarde pas souvent par terre, vous n'allez pas forcément tomber sur cet endroit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va aller en faire la visite ensemble. Alors en partant de Diamond City, on va directement aller dans ce sens-là, tout simplement. Alors pour accéder au lieu sans embûche, faudra faire attention parce que il y a quelques super mutants juste en face de moi. Alors on va pas s'embêter à les tuer puisque le lieu qu'on recherche, il est ici, c'est la bouche d'égout des Fangs. On va rentrer à l'intérieur directement, comme ça on sera tranquille. Une fois à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a de beau à récupérer. Alors j'ai fait qu'une seule fois le passage à l'intérieur de cette bouche d'égout. Alors, je me souviens plus exactement ce qu'il y a à récupérer. On va voir ça ensemble. Alors, déjà, le décor est tout de suite parlant. On voit tout de suite ce qui attend, ce qui nous attend un petit peu là-dedans. On va descendre. Le décor est quand même vachement bien pensé hein, pour faire des choses comme ça. Alors. Une craie, d'accord. Scotch, tournevis. Seau en métal. Rien de plus. Un toc-toc. D'accord. Alors, une fois que on est passé là, qu'est-ce qu'on pourrait regarder ou chercher? Capsule, ballon. Ah, je viens de voir un ennemi. Voilà, d'accord. Voilà, une goule en moins. Une goule sauvage légendaire. Ça va nous permettre de ramasser une arme, ça. Alors on va pas se faire chier, hein, parce que sinon on en a pour 2 heures à la buter. On va directement lui faire ça au mode ralenti. Comme ça au moins, on loupera moins les cartouches. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, encore un élément d'armure unique. 10% de chance de désarmer un attaquant au corps à corps en le touchant. C'est un brassard gauche en cuir. Aucun mode, puisqu'il est en mode standard, et sans divers. Alors au moins vous avez la possibilité de le modifier et d'en faire quelque chose de sympathique. On récupère évidemment cet élément d'armure. Et on va poursuivre notre route à la recherche de ressources. Scotch, scalpel. Bon, c'est pas génial, mais. Alors, je sais pas ce que c'est, toutes ces petites croix qui s'affichent sur le mur, mais si c'est lié à quelque chose ou. Alors, ici, je sais qu'il y a quelque chose qui est caché. Ah, j'étais dessus. Là, une boîte à sandwich Voltec. Voilà, on va la récupérer. Et par contre, au niveau de la ressource, là. Je la vois pas du tout. Donc c'est pas grave, on va la passer et puis on va pas s'embêter à la récupérer, hein. Ah, encore un cadavre qui nous rapporte une manique. Encore une goule sauvage légendaire. D'accord, alors ça va nous faire 2 éléments uniques. C'est bien sympathique, hein, finalement, ce lieu. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Alors, ce coup-ci, une jambière gauche en cuir. Réduit de 15% les dégâts infligés par les animaux. Ah, cher détective 2. Alors, je regarderai hors antenne si ces holobandes nous mènent à une quête ou même autre chose d'autre. Je viens de voir encore un cadavre d'une goule. Encore du monde, puisqu'il y a une mouche bouffie là. Une deuxième ici. Je viens de voir le marqueur là qui s'est affiché, non?
Ah oui, elle est plus haut. Oh, 22% de chance de l'avoir et je l'ai eu. Alors, d'accord. Il n'y a pas l'air d'y avoir. Ah, il y en a encore une parce que je me fais tirer dessus des espèces de poison de son dard. Alors, capsule. Ah, tiens, des quilles de la ligue de bowling. D'accord. Alors, là, rien de spécial. Cram, steak, caliburi, non, c'est pas génial. En plus, j'ai pas de torche puisque mon casque sur l'armure assistée n'est plus fonctionnel. Alors forcément, ça aide pas. Ah ah. Il y a du monde. Alors, encore une goule sauvage légendaire. D'accord. Alors, c'est fort sympathique. Je crois que j'ai bien fait de m'aventurer ici. Alors, si jamais vous ne tombez pas sur autant de ghouls légendaires que moi, je vais vous le répéter encore une fois. N'hésitez pas à reprendre vos anciennes sauvegardes, puis retourner au même endroit. Et normalement, vous avez la possibilité de tomber plus facilement sur des créatures légendaires. Ou alors, si vous ne tombez toujours pas dessus, vous pouvez augmenter la difficulté du jeu. Au moins, vous trouverez beaucoup plus d'armes légendaires facilement. Ah, j'ai déjà tué la goule légendaire, apparemment. Goule sauvage errante. Goule sauvage. D'accord. Hop. Alors, je sens que ça va me faire la même connerie que l'autre fois. Je vais pas retrouver la goule légendaire que je viens de tuer. Encore une boîte à sandwich Voltec. D'accord, on m'en va la récupérer. Pomme Dandy Boy. Jouet extraterrestre. Non, ça m'intéresse pas. Alors je sais pas si je l'ai éliminé dans l'eau ou quoi. Bon, c'est pas grave, on va poursuivre notre chemin. Tant pis. Alors. Oh, pendant une seconde, j'ai cru que c'était un vrai bonhomme. Ah oui, et puis en plus, il y a une goule quand même. Oula, ça saute de partout là. Alors, Radaway, fusée miniature. Rien. Capsule, fil de coton. Une balle de baseball. Un crâne. Ah, encore une holobande. D'accord. Alors, je suis arrivé comme ça. On va continuer par là. Ah, un singe. Et pas. Alors. C'est vraiment difficile sans lampe torche. Ouais, bah non, on peut même pas passer là-dessous. Alors, et si je continue ma route par là, j'ai l'impression que ça va me ramener vers la sortie. Peut-être qu'on a même fini de visiter le lieu. D'accord. Ah, collier de chien, j'ai vu. Je l'ai vu, ah, voilà. Alors ça au moins ça vous fait un élément à équiper sur Canigou. Est-ce qu'on a quelque chose de caché derrière ces trucs-là? Non. Rien en vue. Une boîte à outils en mode novice. Voilà, déverrouiller. Ciseaux, montre en or et du scotch. Scotch, médaillon en argent, clé anglaise.
Casque de mineur. Non, pas très utile pour ma part. Puis je crois que ce sera tout du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On peut rien y faire. D'accord. Alors il y a encore un passage par là-bas, ça veut dire. J'étais en train de me demander ce que c'était que cette lumière rouge avec le couloir. Ah, c'est vachement grand cet endroit. Ah, je vais lui mettre un coup critique, hein, parce que quand j'ai vu 30% de probabilité de toucher. Avec un peu de chance, on va encore retomber sur une goule légendaire. Ah, là, il y a des choses à récupérer. Cher détective 4, il faudra vraiment que je les lise hors antenne, ces trucs-là. Un stealth boy, très intéressant. Georges Eppen. Le crochetage est plus facile. Bonus permanent, tant mieux. Un coffre-fort en mode expert. J'essaye d'aller vite. Oh, popo. Voilà, alors. C'est bon. Briquet, plaque et or, cartouche de 44, cartouche de 45 avec un revolver de fortune qui ne m'intéresse pas. Bouteille de whisky, allez, on la prend. Ah. Fourchette en argent. Rien de bien intéressant. Ah. Alors, je crois que pour cette petite salle, c'est bon. Ah, on a une malle là-bas. Capsule, d'accord. Capsule, cartouche de 10 mm, dissolvant industriel. Ah, un luminescent. J'aime pas ces goules-là. Ils sont relativement compliqués à éliminer. Donc, on voit déjà ce que ça lui retire un coup de pistolet de Kellogg, y a de quoi s'inquiéter. Alors on va prendre le cryolator, ce sera plus simple. Voilà, au moins. Hey, pensez au cryolator, pensez-y. Alors, ça c'est bon. Ah, encore des choses par ici. Un lance-flamme. Alors moi, je vais pas me blinder avec ça. Des champignons luminescents récoltés par terre. Clé mixte. Mix. Seau en émail. Plateau télé. Théière. D'accord. Bon bah je crois que c'est tout pour ce lieu également. Alors on va reprendre le chemin des escaliers pour aller voir où ça nous mène. J'ai l'impression qu'en fait on a fait le tour et qu'on est en train de faire marche arrière. Ah non, même pas. Ça, c'est réglé. Cartouche de 38. Ah si, c'est ça, c'est. Je suis revenu au même endroit que tout à l'heure. Ben voilà, en tout cas, on a l'air d'avoir fait. Le plus gros tour de ce lieu. Alors, bah, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo a quand même duré pas mal de temps et ça va bientôt se couper automatiquement. alors voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu d'avoir fait la visite de ce lieu en ma compagnie. Également, pensez à augmenter la difficulté de votre jeu si vous ne trouvez pas d'arme unique en ce lieu, ou à reprendre une sauvegarde d'avant, tout simplement.
Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement sur Fallout 4 et je vous dis à très bientôt.